These mushrooms were grown from used coffee grounds. It's a practice that supports a circular economy, a system designed to eliminate waste. A Belgian company called Permafungi found a way to give coffee grounds a second life. C'est la quantité. Il y a 15 000 tonnes de marc de café par an en Bruxelles. Et ce marc de café, s'il est mis au même endroit, il est acide, il détruit les sols. Instead of letting the coffee byproducts wind up in a landfill, Julian's team collects them, uses them to grow mushrooms, and sells the mushrooms to local shops and restaurants. First, they head out by bike to pick up excess grounds from local coffee shops in Brussels. Donc on fait 15 km par jour, avec jusqu'à parfois 100 kg de café récolté par jour. The grounds are brought back to the growing facility, where they're packed into bags with straw to create a nutritious soil for the mushroom spores. Et le champignon est capable de dégrader le marc de café. Il ne voit pas de caféine, il ne voit pas du marc de café. Il voit de l'azote, de l'hydrogène, de l'oxygène, du carbone. Et il va utiliser cette base pour tirer juste ce dont il a besoin. After about 2 weeks in a dark, damp room, the bags are brought to a brighter space, where the mushrooms begin to sprout. Around 2,000 pounds of mushrooms grow here every month. Once they're harvested, the team delivers the mushrooms to organic stores and restaurants. It's a circular process where byproducts are reused rather than wasted. Et donc l'idée, c'est de récupérer ce qui peut avoir toute une série de qualités pour en faire quelque chose. Permafungi's operation has global potential. Every year, coffee drinkers across the world generate about 6 million tons of used grounds. In 2018, the company recycled 39 of those tons. Bonjour et bienvenue à cette conférence, à cette journée de conférence localisme ici à IMAL. Merci à vous d'être venus. Merci à vous d'être venus malgré les différentes mesures anti-Covid que nous devons respecter, donc le masque au plus possible sur le visage, ainsi que de ne pas bouger les chaises pour garder les 1 mètre de distance. Je pense que vous, c'est parce que vous êtes une bulle. Voilà, donc je vais vous présenter Julien Jacquet qui va venir de Permafungi, qui va parler du coup de cette initiative de faire pousser des champignons à Bruxelles grâce au marc de café, enfin ce qu'on vient de voir dès à présent. Julien, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Comme tu viens de le dire, tout a presque été dit. Je vais essayer de rajouter des scoops par rapport à ce projet-là. Donc je suis très content d'être là pour parler de Permafungi, parler de la résilience urbaine, parler de l'économie circulaire, parler de l'économie sociale. C'est des choses dont on parle pas mal. Chez Permafungi, on a essayé de trouver des liens dès le départ entre ces différentes notions. Alors, mon premier test. Voilà, c'est arrivé à faire ça. Donc, Permafungi, le titre de ma présentation aujourd'hui, c'est une contribution à la résilience urbaine. L'idée de base de Permafungi, c'est de ne plus considérer le déchet comme un déchet. Vous savez que dans la nature, il n'y a pas de déchet. Ce qui est un déchet pour une espèce est une ressource pour une autre. Et c'est de là qu'on est parti pour s'attaquer au marc de café. Alors le marc de café, ça n'a pas l'air d'être grand-chose. Moi, je ne viens pas de Bruxelles. Dans ce qui est à peine une ville chez nous, on le met dans le jardin, on l'utilise pour déboucher les tuyaux. On a tous entendu ça. Le problème, c'est quoi? C'est qu'à Bruxelles, on produit 15 000 tonnes de marc de café par an. Alors ce chiffre, il est évidemment difficile à appréhender, c'est un chiffre qui est énorme. Vous avez vu dans la vidéo, on parle de 6 millions de tonnes par an dans le monde. Et le problème de ce marc de café, c'est qu'il est ultra acide. Donc, si à Bruxelles, on collecte tout, on met tout au même endroit, on détruit les sols. Si on essaie de le détruire ou de l'incinérer, évidemment, il y a un problème environnemental. Alors qu'on sait qu'il y a un être vivant qui est assez génial, qui peut transformer les fibres du marc de café, mais aussi du pétrole, de toute une série de choses, le mycélium, et qui peut le transformer en quelque chose qui est plus intéressant. Et ça, c'est notre idée de base. Récupérer le marc de café, faire pousser des champignons, et la magie de l'histoire, c'est que le mycélium va transformer le marc de café en compost. Donc à partir d'un déchet qui était ultra abondant, négatif pour la ville, on a deux produits à valeur ajoutée, le marc de café et le compost. Et ça, c'était le départ de notre histoire. À partir du moment où on a compris que le marc de café n'était pas un déchet, en fait, plus rien n'était un déchet. Donc, le compost, on l'a valorisé tout un temps via la ferme de Plif, qui est à côté de chez nous, en échangeant
qu'on de la paille dont on avait besoin pour produire les champignons. Et puis, on s'est dit, même nous, on peut en faire quelque chose de plus intéressant. Donc, on a utilisé le compost pour produire une production de chicons. Alors, vous savez que le chicon est un des rares légumes qui est créé. Ce n'est pas un légume naturel, qui a été créé à Bruxelles. Et nous, notre histoire, c'était de le ramener à Bruxelles en économie circulaire, en économie sociale. Et donc, on trouvait que l'idée était tout aussi géniale que le champignon. Et puis, on a encore essayé d'aller un pas plus loin. C'est que ce compost, finalement, on pouvait le transformer en quelque chose de même plus ambitieux. C'est un matériau biodégradable qui peut remplacer le plastique. Alors, le mycomatériau, c'est comme ça qu'on l'appelle, le matériau à partir de mycélium, ce n'est pas nous qui l'avons inventé, sauf que, de nouveau, nous, on l'a inclus dans un schéma circulaire à partir de notre production de champignons. Et là où il sert notamment à remplacer la frigolite, notre idée c'était de pouvoir l'utiliser pour avoir des valeurs, des produits à plus haute valeur ajoutée, notamment dans le design. Et donc on continue la boucle et vous voyez que chaque fois c'est vertueux. Évidemment, au lieu d'aller en Iran, au Myanmar, créer des problèmes écologiques, sociaux, détruire la planète pour prendre du pétrole, le raffiner, l'amener ici, l'utiliser, le jeter et qui pollue la mer, on avait un marc de café qu'on transformait, qui était biodégradable si on le mettait dans le jardin, qui était durable si on le mettait dans un endroit, je veux dire, une habitation, avec toute une série de contraintes. Évidemment, si vous parlez aux architectes de champignons pour décorer, évidemment, ça leur fait un petit peu peur. Donc, il y avait toute une série de contraintes qu'on a rencontrées. Mais voilà un petit peu l'idée de base de Permafungi. Alors, sur base de cette idée, on a créé deux autres activités. Donc, la première idée, produire de la nourriture, et c'est pour ça qu'on l'appelle EAT, mais pas que, vu qu'on produit du design aussi, enfin des matériaux. Notre première activité, c'est EAT. Et puis, on a créé deux autres activités. L'activité GROW, qui permet, qui permet aux gens de recycler du marc de café à domicile pour produire leurs propres champignons. Il y a deux avantages à ça. Le premier, c'est qu'on sensibilise notre première activité. Aujourd'hui, la grosse majorité des champignons qu'on mange viennent des Pays-Bas ou viennent des pays de l'Est. Ça veut dire qu'on ne l'a pas dans des conditions optimales. Quand on a commencé à faire des pleurotes, on disait « Ah oui, ce pleurote, c'est le vieux truc sous cellophane qu'on achète dans les supermarchés qui est un peu gélatineux. » Et puis on disait « Mais non, ça c'est notre pleurote. » Et on disait « Mais ce n'est pas le même champignon. » C'est juste que le pleurote, tout ce qui fait sa qualité, c'est sa fraîcheur. Nous, on le cultive le matin, on le vend l'après-midi. Et donc, à partir du moment où on aide les gens à cultiver le pleurote chez eux, même chose, ils sont sensibilisés à notre produit qui est aujourd'hui plus cher, mais qui a toute une série de qualités. Alors, on en parlera peut-être après, mais le but n'est pas de faire un champignon cher pour faire un champignon cher, c'est toute la question qu'on appelle des externalités négatives. À partir du moment où on recycle des déchets que les autres ne recyclent pas, à un moment où on crée de l'emploi local et des formations que d'autres ne font pas, on a un coût supérieur. Et ces coûts supérieurs aujourd'hui ne sont pas facturés à ceux qui ne le font pas. C'est encore très rare les taxes sur la pollution et ce genre de choses. Mais bref, on verra dans les questions si ça vous intéresse. Mais deuxième activité, aider les gens à recycler le marc de café à domicile et produire les champignons. Et puis on a une troisième activité qu'on appelle Learn, qui est la sensibilisation. Et comme les deux premières activités, elle a fort évolué. Au départ, le dimanche matin, on ouvrait nos ateliers aux citoyens du quartier, on essayait de parler de notre projet. Aujourd'hui, c'est essentiellement des visites du projet, et pour les entreprises, pour les écoles, etc. Et également des formations pour les entrepreneurs qui veulent faire la même chose que nous. Alors ça, c'était souvent des questions de dire, mais pourquoi vous demandez, pourquoi vous formez des gens à faire la même chose que vous, formez vos concurrents? Parce que notre concurrent, en fait, c'est le champignon qui est industriel, celui qui respecte les mêmes conditions que nous, finalement, il nous aide à développer un monde dans lequel on se sent mieux. Donc ça, c'était l'idée de base. Vous verrez plus tard que les bonnes idées au départ ne le sont pas toujours, et qu'on a parfois été naïfs, ou parfois on s'est retrouvé face à des choses qu'on n'avait pas comprises dès le départ. Voilà pour les trois activités. Alors, si je vais un pas plus loin dans l'organisation de Permafungi, c'est une vague question parce que, évidemment, on parle au départ d'économie sociale. Qu'est-ce que l'économie sociale? Qu'est-ce qu'on fait rentrer dedans? Une définition que j'aime bien, que je trouve simple, c'est ce qu'on appelle les 5 P. Et en fait, c'est une économie qui respecte à la fois planète, donc c'est 5 P en anglais évidemment, les gens, l'environnement. Alors, il y en a qui disent profit, mais je préfère prospérité, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire un modèle qui est rentable sur le long terme économiquement, créer des partenariats win-win et faire de la gouvernance participative. Alors,
vous allez voir qu'au fur et à mesure, de mon explication, il y a des choses qui vont évoluer. C'est-à-dire qu'on présentait ce projet comme uniquement vertueux. Alors, je vous donne des exemples. Par exemple, on disait qu'on arrivait à récolter du déchet, c'était bon pour l'environnement et c'était bon pour notre modèle économique parce que notre matière première était gratuite. On utilisait le vélo parce que c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour le social et c'est bon pour l'économique. C'est moins cher, ça va plus vite que la voiture. On a été les tout premiers, en tout cas à Bruxelles, à défendre l'agriculture urbaine souterraine. Là où, quand on a commencé, en 2013, il y avait cette question de dire « mais il y a autant de mètres carrés de toit, on va faire des serres », ce qui est très bien évidemment, mais nous on disait qu'il y a déjà des murs, il y a déjà du chauffage, il y a déjà des espaces dans les caves, et c'est très bon pour l'environnement de les utiliser, et en plus c'est bon pour l'économique, personne ne veut des caves. Vous voyez, ça c'était notre modèle de base. On allait très loin, c'est-à-dire que, et de nouveau, avec tout l'idéalisme qui nous caractérisait au départ et avec tout, avec des bonnes et des mauvaises idées, mais on ne voulait pas pasteuriser notre substrat, c'est-à-dire on ne voulait pas chauffer notre substrat. Il faut savoir qu'il faut chauffer le substrat des champignons pour tuer les autres champignons colonisateurs. On ne voulait pas le faire parce que le marc de café passait dans la machine à café et donc était pasteurisé lors... merci beaucoup. Quand on sert le café, pardon. Et si on allait le chercher tous les jours, on ne devait plus pasteuriser. On utilisait l'énergie de la machine à café une deuxième fois. Et donc, on allait chercher le marc de café tous les jours à vélo, 100 kilos par jour, comme vous l'avez aussi entendu dans la vidéo. Donc, ça, c'était l'idée de base. Est-ce qu'on peut réconcilier social, économique, environnemental? Puis, on se rend compte qu'évidemment, ce n'est pas toujours possible. S'il y a la question des salaires, si on augmente les salaires, c'est mauvais pour l'économique, mais c'est bon pour le social. Et donc, il y avait déjà quelques petits grincements dans nos rouages. Mais en tout cas, ce qu'on se disait, c'est que ce n'est pas grave. Vu qu'on a gagné sur tous les autres points, on peut payer bien nos employés parce qu'on arrive à trouver l'équilibre comme ça. Donc, vous voyez que quand on a un but, finalement, on arrive toujours à expliquer dans un sens vers quoi on va, alors que, évidemment, que c'est plus complexe. Si on pouvait en même temps soulager l'environnement, faire de l'impact social et avoir une entreprise sans aucun problème économique, je pense qu'il y en aurait beaucoup plus. D'autant plus que on sait qu'en Belgique ou ailleurs, c'est compliqué de créer une entreprise. Quand on a un but qui est la maximisation du profit, on parle du nombre de faillites par entreprise, etc. Dans notre cas, il y avait en plus le fait de faire attention à l'impact social, l'impact environnemental, je veux dire, avec des vrais indicateurs. C'est-à-dire que dans nos tableaux de bord, on a des indicateurs environnementaux, sociaux et économiques. Par contre, quelque chose qui était là dès le départ et qui me semble toujours aussi intéressant, c'est cette question de gestion participative. Alors, on en parle beaucoup. De nouveau, on pourrait en parler pendant des heures. Mais ce que j'aime bien dans cette notion-là, c'est l'aspect multidimensionnel. Si on demande l'avis à plusieurs personnes, on a évidemment, plutôt qu'un un despote tout-puissant, on a une espèce de critique interne, on a une réflexion sur différents modèles. Et donc, nous, on était face à un problème multidimensionnel. Est-ce qu'on favorise le social, l'environnemental, l'économique? Qu'est-ce qu'on choisit? Et là, la gestion participative, celui qui avait plus envie de défendre les employés disait « oui, mais attention au salaire ». Celui qui avait envie de défendre plus l'environnement, il disait « est-ce que là, on est tout à fait correct ?». Celui qui stressait pour la trésorerie disait « oui, mais c'est très bien le social et l'environnemental, mais... ». Et donc, cette gestion participative nous a permis, dans ces premières années de Permafungi, de faire des choix qui étaient compliqués et qui n'étaient pas forcément alignés. Si je ne suis pas clair, s'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Je pense qu'il y a un temps prévu à la fin pour des questions, mais en tout cas, je ne voudrais pas qu'on aille trop loin sans que ce ne soit pas clair. Alors, c'est très bien d'avoir des activités eat, grow, learn, pour dire les champignons, etc. Ce qui est essentiel surtout, c'est de savoir pourquoi on le fait, d'avoir finalement une mission. Et notre mission, jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas changé. On en parle beaucoup. Il faut se remettre en 2013 qu'on a créé le projet. C'était contribuer à la résilience urbaine. Alors, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec ce terme de résilience urbaine. Donc, urbaine, j'imagine que c'est un terme que tout le monde comprend, évidemment. Résilience, ça veut dire la capacité qu'on a à surmonter des chocs. On en parle en psychologie, en sociologie, en anatomie, un peu partout. Et donc, ça, c'était notre mission. Alors, qu'elle soit bien ou pas bien, ce qui était important pour nous, c'est d'en avoir une, et que notre but n'était pas toujours de produire plus de champignons, mais pourquoi on allait le faire. Et on le déclinait selon 5 axes. La première, c'était de recycler les déchets urbains. Évidemment, une ville qui cumule énormément de déchets au même endroit
ne peut pas survivre sur le long terme. En tout cas, il faut pouvoir trouver une solution. Créer de l'alimentation locale. Alors, local, il y a une vraie définition du local. Sans trop rentrer dans la technique, pour produire des champignons, il y a trois étapes. Il y a la phase où on crée l'alimentation du champignon et où on va rentrer. Et vous voyez qu'il y a des abus de langage. Si vous vous souvenez des vieux cours de bio, le champignon, c'est le fruit, c'est la pomme en fait. L'être vivant, c'est le mycélium. Donc la première étape, l'inoculation, va servir à produire l'alimentation du champignon et de rentrer le mycélium dedans, de l'inoculer. Et la question, c'est de dire, est-ce que le substrat est local? Est-ce que dès à présent, on a du marc de café qui vient de Bruxelles, de la paille qui vient de Bruxelles? Et ça, pour nous, c'était important. La deuxième étape, c'est l'incubation, c'est d'essayer le mycélium manger le marc de café. Et la troisième étape, c'est faire sortir le champignon. Et je vous explique tout ça parce que vous allez voir que, dans quelques instants, j'ai expliqué d'autres projets qui ont peut-être été moins loin dans ce genre de dynamique. Mais donc, produire de l'alimentation locale. De nouveau, on ne va pas remplacer l'agriculture classique, mais c'est évident qu'une ville qui ne produit absolument rien de son alimentation est plus fragile qu'une ville qui produit une partie. On a vu ce qui s'est passé notamment avec le Brexit ou dans ce genre de cas un petit peu particulier où quand on dépend très fort d'autres économies ou d'autres systèmes pour fonctionner, ben, ça peut créer des problèmes. Créer des jobs, alors créer des jobs locaux, et là aussi notre parcours a fort changé. Quand on a été créé, on était une entreprise d'insertion socio-professionnelle avec cette définition qui était créer de l'emploi pour des personnes peu qualifiées. Avec la gestion participative, on a tous pris des rôles de plus en plus importants, c'est-à-dire que la toute grande majorité, je dirais 11 personnes sur 12, ont commencé comme ouvriers de production chez Permafungi et tous, au départ, allaient chercher le marc de café pour produire des champignons. Parmi ces personnes, il y en a aujourd'hui qui font la compta, il y en a qui font la gestion du site web, il y en a qui font la communication. Donc, cette question de personnes peu qualifiées, elle a évolué chez nous. Et en un autre thème qui est des personnes peu valorisées par le marché de l'emploi. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, ici, on a un diplôme de comptable, je prends comptable au pif, hein, sans aucun a priori, mais on est valorisé par le marché de l'emploi. Si on s'allait chercher du marc de café pour produire des champignons, ça ne la fait pas trop sur le CV. Par contre, si je demande à mon comptable de prendre le rôle d'une personne de l'organisation, de se lever le matin pour aller chercher 100 kg de marc de café, le ramener, faire une inoculation, une incubation, cuire des champignons au bon moment, gérer une contamination par d'autres champignons, faire une partie de la comptabilité de l'organisation, etc. Il n'est plus du tout question de parler de personnes peu qualifiées, mais de personnes qui étaient peu valorisées par le marché de l'emploi. Donc, c'était notre troisième élément. Quatrième, défendre l'économie locale. Tout ce qu'on achetait chez Permafungi venait de Bruxelles, à l'exception du mycélium qui venait de Gand. Ça a l'air simple, il y a des choses qui sont évidemment les détergents, etc. On n'a plus l'habitude d'acheter ce genre de choses en Belgique, mais tout ce qu'on achetait en Belgique, tout ce qu'on achetait venait de Belgique, tout ce qu'on vendait se faisait à Bruxelles, à l'exception des kits de culture qu'on faisait via notre plateforme internet. Et d'ailleurs, je dirais, on était limité par le vélo, vu qu'on livrait tout à vélo. Et le cinquième élément, c'est d'être indépendant des énergies fossiles. De nouveau, on parle de minimisation des énergies fossiles. Hein, je veux dire, ce pull a coûté des énergies fossiles. Donc, le fait de travailler dans l'organisation, il y avait des énergies fossiles, mais on a parlé du fait d'être dans des caves, le fait de ne pas pasteuriser, le fait d'être en vélo, c'était des choses qui nous tenaient très à cœur. Et il y a plein d'autres exemples qu'on a utilisés toujours pour minimiser les énergies fossiles, mais je dirais que ces trois-là sont bien représentatifs. D'accord pour notre mission. Donc, un, les activités de Permafungi. Deux, pourquoi on le fait. Alors, on arrive à la fin d'un premier cycle. Dans mes slides, je veux dire, à Permafungi, on a connu quelques cycles, mais on arrive à la fin d'un premier cycle, c'est d'arriver à montrer qu'on a fait quelque chose de concret. Parce qu'évidemment, qu'on imagine un projet de rêve dans notre tête, tout est parfait, etc., puis on doit faire des concessions, puis on doit s'adapter, puis... Et donc, à un moment, se poser, se dire, mais où on en est? Et pour ça, le factuel est bien. Et donc, ici, il y a quelques chiffres que je vous présente entre 2014 et 2019. On a produit 155 tonnes On a recyclé 155 tonnes de marc de café. Pour vous donner une idée, aujourd'hui on recycle 5 tonnes de déchets par mois. On produit avec ça 1 tonne de champignons par mois. Depuis le début, ça va croissant, donc 31 tonnes au total. 8 tonnes de chicons.
On a créé 60 formations pour des entrepreneurs qui veulent dupliquer le modèle dans leur pays. Alors, il y en a 30 qui ont été faits pour des Français. Il y a chaque fois deux personnes, donc c'est 120 entrepreneurs. 30 pour des Français, je dirais, le reste un peu partout dans le monde, en Nouvelle-Calédonie, au Brésil, etc. On a vendu pas mal de kits, on a fait pas mal de visites. On a parcouru 30 000 km à vélo. Et alors là, j'en parle pas encore, mais notre matériau biodégradable qui peut remplacer le plastique, on a arrivé à un premier prototype. Vous allez le voir sur une des prochaines photos. Et on a réussi à en vendre 250. Donc, on n'a encore rien fait avec ça, mais on a montré que notre rêve de pouvoir transformer ce marc de café qui avait été mangé par un champignon en quelque chose qui fonctionnait, était quelque chose qui était possible. Voilà, ça c'est notre mycomatériau. Alors, je me souviens que quand on a expliqué qu'avec le marc de café, on allait faire des champignons, on nous a dit « vous êtes pas mal allumés », et puis avec le compost, on va faire des mycomatériaux, les gens nous ont dit « ok, ils ont complètement perdu la boule », mais aujourd'hui, quand je montre ça, les gens nous disent « ouais, votre design, il est vraiment raté ». Et c'est assez génial, parce que ça veut dire que ce qu'on nous reproche aujourd'hui, c'est une question de design, et plus une question de « est-ce qu'on peut créer une forme avec ça ?». Donc ça, il faut se représenter ce que c'est le marc de café qu'on a été récolté à vélo, qui a été mangé par un champignon, le pleurote, qui a été cultivé, qui a été vendu en magasin bio à Bruxelles, et puis qui a été mis dans une forme qu'on crée d'ailleurs ici derrière, et qui a été mangé par un autre champignon vivant, et c'est pour ça qu'ils sont tous différents. Ça a l'air de rien, il y a une start-up américaine qui n'est absolument pas en économie circulaire, mais qui utilise ça pour protéger des ordinateurs, qui a fait un partenariat avec Dell, qui vend 8 millions de pièces par jour. Alors, c'est peut-être pas notre but, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un potentiel avec ce produit-là, et que juste en en parlant, alors que c'est pas du tout une de nos activités aujourd'hui, on arrive à pouvoir vendre ces luminaires. Et je dirais que là, on est début 2019, et depuis début 2019, on se dit, notre rêve de départ fonctionne, on a un impact social qu'on mesurait avec des indicateurs, le salaire le plus haut par rapport au salaire le plus petit, le nombre de personnes qu'on a sorties du chômage ou qui n'avaient pas de diplôme, qui ont trouvé un emploi, comment ils sentent, le nombre d'absences, etc. Donc on est très content de notre impact social. On est très content de notre impact environnemental, qu'on mesure aussi, nombre de marcs de café recyclés, kilomètres épargnés, etc. On est à l'équilibre avec une subvention d'entreprise sociale. Et on se dit, c'est parfait, maintenant, il n'y a plus qu'à dupliquer notre modèle. Si on peut le faire à Bruxelles, on peut le faire dans d'autres villes. Et là, ça, c'est notre changement d'échelle. On ne voulait pas devenir un énorme producteur de champignons, on voulait créer un réseau décentralisé de champignonnières circulaires. Avec quelque chose de très organique, si vous voulez, dans notre organisation, il faut imaginer un grand rond avec toutes des personnes qui apportent même les problèmes qu'ils veulent régler et qui résolvent les problèmes en fonction des qualités, des besoins, des envies, etc. Et ça, c'est la première cellule. Et on a créé d'autres cellules qui allaient fonctionner, je dirais, à la fois indépendamment, mais à la fois en coordination. Et ça, c'était le rêve en 2019. C'était notre vision du changement d'échelle, tout en développant des projets assez ambitieux comme le mycomatériau. Alors, jusque-là, déjà, on parle de beaucoup de choses qui ont été, et puis il y avait quand même des choses qui n'allaient pas. Par exemple, les chicons qu'on produisait, on avait comme objectif de produire 5 tonnes par mois et de les produire, évidemment, localement, et de les vendre à 5 euros le kilo. On produisait 5 tonnes par mois, donc ça, c'est quelque chose qu'on a réussi. Et puis, les 5 tonnes, on arrivait à vendre 2 tonnes ultra facilement, avec des gens qui se disaient, mais c'est des champignons, des chicons qui sont juste délicieux, on les a goûtés, on va les valoriser, etc. Et puis, il y avait 3 tonnes qu'on n'arrivait pas à mettre au-dessus du marché. Ça veut dire qu'on devait les vendre au prix du marché qui était 3,5 euros. 3,5 euros, c'est pour les chicons en hydroponie. Ça veut dire des chicons qui ont... alors, je confonds toujours aquaponie et hydroponie, je pense que c'est en aquaponie, pardon. Ça veut dire, en aquaponie, ça veut dire qu'ils ont poussé dans l'eau sans nutriments, ou des nutriments chimiques qu'on ajoute. Et ça, évidemment, visuellement, on ne voit pas la différence entre un chicon qui est bon pour la santé, qui a des nutriments, qui est produit localement, qui est produit en économie circulaire, qui est produit à Bruxelles, qui est livré à vélo, et un chicon qui ne l'est pas. Et donc, ce projet, par exemple, c'était un des premiers échecs qu'on a connus, c'est de se dire, finalement, le chicon... Alors, on n'arrive pas à le positionner clairement sur le marché, contrairement aux champignons qui étaient ultra frais, et tout le monde disait, on le voit visuellement.
Je ne dis pas que c'était facile. Hein. Au départ, on allait vendre nos champignons un peu plus chers dans les restaurants et les magasins bio. Et puis les magasins bio disaient, oui, mais moi, je vais mettre ma même marge et mon champignon va être plus cher. On disait, mais mettez nos produits et les vôtres et on verra s'ils partent. S'ils partent, c'est que c'est un bon produit. Bon, évidemment, les tout premiers, on a envoyé tous nos potes qui allaient chercher les champignons. On leur disait, prenez bien ceux de droite. Et donc, on a réussi à les vendre. Mais plus globalement, à part cette anecdote, il y a quelque chose qui est sûr, c'est que le champignon voyait la différence et il partait bien. Le chicon, visuellement, il était produit à 30 km d'ici dans des immenses fermes en aquaponie et on n'arrivait pas à valoriser notre chicon. Donc ça, on a dû l'arrêter. Mais disons que le projet champignon, on était à une étape où on disait on va pouvoir créer d'autres champignonnières. On avait même des gens qui nous le demandaient. Donc, historiquement, on va chercher le marc de café d'Exquis et du pain quotidien. Et le pain quotidien nous disait, mais ce serait génial de vous avoir à New York, etc., pour créer ce genre de champignonnière urbaine. Donc, on était, je dirais, à cette étape-là, fin 2018, arrêt des chicons. Si on a des sous un jour, on produit plus de mycomatériaux. Et en tout cas, on commence à dupliquer le modèle. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Je dirais, il y a eu plusieurs chocs. Alors, on a toujours eu des chocs compliqués, c'est-à-dire qu'au départ, ce n'était pas légal de produire des champignons sur marc de café. On pouvait le produire sur crottin de cheval, sur de la paille, sur de la sciure de bois, premier choc. Et puis, ce n'était pas légal de récolter du marc de café, c'était Bruxelles Propreté. Donc, et puis, il y avait la contamination. Normalement, des champignonnières, c'est des millions d'euros d'investissement pour éviter la contamination. Nous, on était 6, on a mis 1 000 euros chacun, on avait 6 000 euros. On a dû créer un modèle qui respectait la nature avec très peu d'investissement et qui fonctionnait. Donc on avait évidemment cette challenge, mais en 2019, on a connu des challenges qui étaient beaucoup plus importants. Je vais en citer deux. Le premier, il est très classique, c'est qu'on était une entreprise d'insertion. 10% de nos revenus venaient des subsides, 90% de nos revenus propres, et que la loi a changé. La loi a changé, nous ont dit, vous êtes une entreprise d'insertion, il y a deux nouvelles règles. La première, c'est que, alors je ne sais pas être trop technique, mais les statuts Activa, c'est-à-dire les chômeurs longue durée, ne correspondent plus à l'insertion. On va prendre plutôt des articles 60, c'est d'autres profils. Et l'insertion, ça va être renouvellement de l'équipe tous les 6 mois. Ça voulait dire que nous, l'équipe qu'on avait formée à une main-d'œuvre qui est tout à fait typique de cueillir les champignons, à une gestion participative, à notre équipe en fait, on devait la licencier pour tous les 6 mois refaire la mise au pied à l'étrier. Donc on s'est dit, ça ne correspond plus du tout à ce qu'on est. On n'a évidemment aucun avis à donner sur ce qu'est l'insertion et comment on voudrait qu'elle soit, mais en tout cas, nous, on ne veut plus rentrer là-dedans, donc on va refuser ce subside. En tout cas, on ne va pas faire les modifications nécessaires pour l'avoir. Premier choc, ça veut dire qu'il y a 10% du revenu qui vient. Et puis, un choc qu'on n'avait pas du tout venir, parce qu'évidemment, les subsides, on sait ce que c'est. Tout le monde dit, surtout, vous faites comme si vous ne les recevez pas. Et puis, c'est la cerise sur le gâteau. Ça, c'est ce qu'on dit. Et puis, évidemment, tout le monde les attend quand même, parce que le modèle a été construit comme ça et qu'on avait d'autres soucis à régler que douter de ça. Mais je dirais qu'on aurait pu le prévoir. On aurait peut-être même plus mieux le gérer, mais ça ne nous aurait pas tués. Il y a un choc qu'on n'avait pas prévu. C'est qu'on était totalement open source, on formait des gens à faire la même chose que nous, et puis, il y a quelqu'un qui décide de le faire à Bruxelles, d'autres champignons, sur un autre déchet, et qui nous dit, est-ce que ça vous dérange? Non, nous, c'est super, plus on est à changer de marché, c'est magnifique, on va acheter le mycélium ensemble, on en achètera plus, on partagera les coûts, on va livrer ensemble, comme ça, les coûts de vélo sont divisés par deux. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que, et c'est là qu'on est naïf, je vous avoue que j'ai pesté longtemps là-dessus, mais au final, je sais que c'est nous qui avons été naïfs, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que ils achètent au départ des champignons, tout à fait classiques, ils les revendent en disant qu'ils étaient circulaires, pour coloniser le marché, avec l'envie, une fois qu'ils auraient tout le marché, de pouvoir devenir circulaire. Alors, ce qui m'énerve à ce moment-là, c'est quoi? C'est que pour moi, quand on est idéaliste au départ et qu'on évolue vers quelque chose qui a plus de sens économiquement, on garde toutes ces valeurs idéalistes. Je ne crois pas qu'en commençant quelque chose de très économique, tout d'un coup, on se dise, on n'a plus beaucoup de soucis, c'est très facile, on va commencer à devenir circulaire. Donc, de un, je ne crois pas à ce modèle-là, mais il nous a fait très mal. C'est-à-dire que tous nos clients, évidemment, qu'on avait présentés, ont vu des champignons presque comme permafungi, ils ne comprenaient pas trop parce qu'ils ne savaient pas les 3 étapes de champignons. Alors, on achète les champignons aux Pays-Bas, on les arrose en Belgique. Est-ce que c'est produit localement ou pas? Je vous laisse imaginer l'histoire de la crevette épluchée au Maroc. Mais tout ça pour dire que nous, on était à côté du marché. Il y avait des gens qui allaient chez nos clients en disant on fait comme permafungi un peu moins bien avec un coût beaucoup moins cher. Et le client, il a un côté où il dit waouh, c'est local, c'est plus ou moins comme permafungi. En plus, j'ai une meilleure marge. Donc, ça, c'était un choc qui était violent. Donc 2019, il y a une vraie remise en question. Est-ce que permafungi continue ou pas? Et je vais terminer
là-dessus, parce que je pense que niveau temps, on est plus ou moins dans ce qu'on a prévu. Mais aujourd'hui, Permafungi, on s'est rendu compte, et c'est pour ça que je peste plus du tout sur notre naïveté ou en tout cas sur les erreurs qu'on a faites, parce que ça va encore nous permettre d'évoluer. Là où on est fort, c'est pas d'aller chercher du marc de café à gauche chez quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'on en fait ou qui dit bah, vous pouvez le prendre, normalement je le mets à la poubelle, pour aller vendre des champignons chez quelqu'un d'autre qui achète des champignons un peu où il veut pour le vendre en magasin bio, local, on rajoute les conditions les plus vertueuses qu'on veut. Mais ce qu'on a appris, qu'on a apporté aux partenaires, c'est qu'on leur a apporté l'ensemble de la boucle. On va prendre votre marc de café et on va vous l'échanger contre des champignons. On ne vend pas des champignons, on vous vend de l'économie circulaire. Aujourd'hui, vous faites du café, vous jetez votre café, vous allez acheter des champignons, vous jetez vos racks ou je ne sais pas trop quoi. On va se pluguer à vous, on va prendre vos déchets et on va les transformer, en commençant par le marc de café pour produire des champignons. Et c'est là qu'on est arrivé début 2020, donc je raconte ça rapidement, hein. Quand je dis en 2019 c'était compliqué, on était en train de réfléchir, la première idée c'était clôture de faillite, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'en changeant ce concept là, on s'est dit il y a quelque chose à faire, en fait on a eu la chance d'être les premiers de vendre nos champignons, et maintenant il faut évoluer. Et donc c'est ce qu'on est en train de faire, c'est de favoriser nos partenaires à nous donner le déchet. On n'accepte que les partenaires qui achètent les champignons et on fait de l'ultra-local. On est sur le site de Tour et Taxi. Aujourd'hui, Tour et Taxi, qui est privé, hein, je veux dire, ce n'est pas comme un soutien gratuit, etc., croit en notre projet et dit que tous les traiteurs qui rentrent sur Tour et Taxi doivent acheter les champignons Permafungi. Évidemment, ça, c'est une force. Tous les traiteurs ou les restaurants qui sont sur Tour et Taxi doivent donner le marc de café chez Permafungi. Ça veut dire que notre modèle de demain, alors pour moi, il était local, il était bruxellois, est devenu encore plus local, c'est-à-dire que dans un site, avec quelques partenaires, 4, 5, en fonction de leur taille, on va récupérer leurs déchets, on va le transformer localement, on va vendre des champignons sur place, et ça, c'est là-dessus que, vers ça qu'on évolue. Le Covid est arrivé, donc on en a profité pour faire des travaux, aménager, agrandir, réengager, mais je dirais que si vous entendez encore parler de nous d'ici quelques années, c'est que ce nouveau changement stratégique était le bon. Voilà, un grand merci. J'espère que ça vous a intéressé. Niveau timing, on est plus ou moins dans les clous. On a le temps pour des questions. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Il y a des choses sur lesquelles j'ai été vite. Oui. Alors, au tout début, on était deux. Je dis deux parce qu'on était deux sur le site. Il y en avait un qui était au chômage officiellement et l'autre qui envoyait une facture quand il y avait de l'argent sur le compte. Et en fait, ça englobe une question beaucoup plus large qui est, est-ce qu'on peut commencer un projet qui est dans la production, donc il faut des machines, il faut payer des gens, de façon toute petite. Moi, j'ai dit qu'on était six, il y en avait deux actifs, on a mis 1 000 euros chacun pour acheter des machines, pour payer des loyers. Donc, on pourrait croire que c'est compliqué, mais pendant 3 ans, on a mélangé du marc de café à la main. On a pas eu de bureau, on ne s'est pas acheté d'ordi, etc. Pourquoi j'en suis content, c'est qu'en 2019, quand il y avait une question de faillite, le montant dont il était question, c'était 30 000 euros qu'on a pu résoudre. Le concurrent dont je vous parlais, ils ont commencé de façon différente. Et de nouveau, ce n'est pas une critique, c'est très intéressant d'avoir quelqu'un à côté qui a un autre modèle. Ils ont levé 350 000 euros, ils en ont perdu 120 aujourd'hui sur les 350. C'est-à-dire qu'ils sont 2 ans 30 000 euros. Nous, on en avait 6 au départ, on en a 35 aujourd'hui avec les bénéfices reportés. Donc, on est beaucoup plus pauvres, mais on a cette espèce de capacité d'adaptation quand il y a des chocs. Donc on a commencé à deux. On a commencé à deux. On a grandi avec les chicons, avec les mycomatériaux. On était à 12. Et puis il y a eu ce fameux choc en 2019. Aujourd'hui on est 5. Il y a d'autres questions ? Oui. On va continuer les mycomatériaux. C'est un projet dans lequel on croit beaucoup. Alors, évidemment, de dire on va faire des micromatériaux, ça a l'air de rien. C'est une personne à temps plein qui crée des ZAN, qui crée. C'est des techniques tout à fait. Donc il y a la question de salaire, il y a la question d'infrastructure, il y a la question de démarchage, parce que c'est bien de le faire. Donc c'est des coûts. Et ce qu'on a décidé aujourd'hui, c'est de se recentrer sur ce qu'on était bon. C'est-à-dire on sait faire des champignons, on sait faire une tonne par mois, on sait les vendre. Et ça, c'est rentable pour 4 personnes, avec les kits et les formations. Et que. On garde notre technique, mais l'idée, c'est un, de finaliser ce qu'on fait bien à Bruxelles, de continuer à avoir cette vision de duplication dans d'autres villes,
et de créer des synergies qui permettront de financer ce genre de projet. Donc c'est un peu dommage parce qu'on a 5 ans de luminaires en cours qu'on sait produire. C'est je dirais, 2 semaines de boulot qu'on n'a pas encore produite. Qu'on n'a pas encore produit, et ça c'est l'idée, c'est de pouvoir le faire quand on a le temps. La personne qui les produit est encore dans l'organisation, elle sait le faire. Mais voyez à quel point des choses, on se dit, mais enfin, ils savent les produire, ils vont les vendre, ils vont bien les vendre, et ils n'ont pas le temps de le faire parce qu'on a d'autres urgences. Alors je vous passe des détails, c'est qu'après l'année compliquée, on a tous décidé de se donner 1 mois de congé gratuit, ça c'est l'avantage de la gestion participative, c'est qu'on décide des choses que d'autres ne peuvent pas décider. Et donc, voilà, on remet un petit peu tout en ordre en 2020, mais les micromatériaux, c'est clairement, je pense, une des pistes de développement aussi. Oui. Alors, ils sont vivants, ils sont différents à chaque fois. C'est un champignon, en fait, c'est un mycélium. Par contre, si on le laisse vivant, il continue à grandir ou à mourir, vu qu'il n'a plus rien à manger. Donc, en fin de cycle, il est tué. Alors, c'est un peu sauvage de le dire comme ça, mais il est séché. Il est séché. Oui. Les sécher simplement au soleil. On a essayé beaucoup de choses. L'autre avantage qu'on n'a pas beaucoup de sous, c'est de fonctionner par essai-erreur. Donc on avait des petits fours pour les cuire. Et puis on a failli mettre le feu 2 fois. Donc on s'est dit, on va essayer autre chose. Et surtout, ça cuisait beaucoup trop fort. Mais la meilleure solution, c'est de le sécher. Voilà. Pardon ? Ah, pardon. Oui, alors. Vous voyez, ça ressemble un petit peu à la frigolite. Et le mycomatériau, c'est en fait, il y a les gens qui s'intéressent au mycélium, aux champignons, les passionnés vont vous dire, c'est le champignon va sauver le monde. Il s'est créé des matériaux, il s'est produit de l'alimentation, il s'est dépollué. Et donc, les gens ont commencé à parler du mycomatériau, c'est-à-dire un matériau à partir de mycélium qui peut avoir toute une série d'implications. Nous, on l'utilise pour faire des luminaires. Mais avant nous, il y avait une entreprise qui s'appelle Ecovati, je disais, aux États-Unis, qui a utilisé ça pour faire des petits coins de protection, des petites cales qu'on coince comme ça en L. Et en fait, ils protègent les ordinateurs quand on les vend par la poste. Au lieu de mettre de la frigolite, ils mettent ça, j'étais un peu vite là-dessus, je suis désolé. Mais donc, en faisant un partenariat avec Dell, l'entreprise ordinateur, ils en vendent 8 millions par jour, 8 millions de pièces par jour. Ce que je veux dire, c'est que ce que je vais montrer par rapport à ça, c'est que ça a un vrai potentiel. Nous, on n'a pas décidé de faire ça pour faire des ordinateurs. On a décidé de faire ça pour faire des luminaires. Mais voilà le lien avec les ordinateurs. Ils nous arrêteront quand on n'a plus le temps, je pense. Ah. Alors, de un, on ne l'a pas inventé. Donc, ça veut dire que si on dépose un brevet, ça veut dire surtout qu'il y en a un qui a pu déposer un brevet. Surtout que, pour ceux qui travaillent parfois avec les innovateurs américains, ils savent qu'ils ont une tendance assez à protéger, ça veut dire qu'ils nous ont écrit directement. Est-ce que vous avez le droit de le faire, etc. Ça, c'est la première chose, c'est qu'on devait s'assurer qu'on pouvait le faire. La deuxième chose, c'est que nous, en tant qu'open source, est-ce qu'on avait envie de le protéger ou de développer ça ? Alors, je dis qu'on est open source, mais on a vu qu'en étant trop open source, parfois on se fait avoir par quelqu'un qui est moins naïf, simplement, et qui. Il y a une question d'être open source et une question d'arriver à défendre vraiment ce qu'on fait. Je crois toujours à l'open source, je crois toujours que si on explique bien ce qu'on fait, ça met peut-être un peu plus de temps, mais que ça a du sens. Donc, on a décidé de pas de déposer un brevet. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été avec une entreprise de brevets qui a analysé si on pouvait le faire par rapport aux Américains, par rapport à la boîte américaine, pardon, et. Le fait qu'on utilise du marc de café, ce qui n'a aucun sens normalement pour le faire, fait qu'on a un process qui est tout à fait unique et donc dans notre cas on peut le faire. Alors, le micromatériau c'est compliqué aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui s'attribuent ce que la nature a créé, mais en tout cas dans notre cas, le fait d'utiliser du marc de café, on peut le faire et on n'a rien protégé, non. Donc, dernière question, on fait des formations pour les entrepreneurs qui veulent faire la même chose que nous, c'est-à-dire produire des champignons sur marc de café. On fait des ateliers pour les particuliers qui veulent voir comment on fait pousser des champignons sur du marc de café ou des visites. On a fait des formations pour faire pousser des chicons et des micromatériaux. Pour le moment, ça, c'est à l'arrêt, mais ça devrait reprendre, je dirais, quand le reste est retourné à l'équilibre. Merci beaucoup.
Merci Julien.